Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis super contente, j'ai reçu mon matériel. Donc là, j'ai reçu mon micro. Vous m'entendez? Je vais faire de l'ASMR aujourd'hui. Je rigole, c'est pas de l'ASMR. J'ai reçu mon pied, donc du coup, je peux faire ça, on peut me voir de très haut, etc. C'est génial. En plus, il est super bien parce qu'en fait, c'est un pied qui peut se mettre par terre et servir comme de pied. De pied. Donc du coup c'est super bien. Donc du coup aujourd'hui ça va être un petit télécommande, comme ça je peux mettre sur pause. Enfin vous voyez pas, mais en tout cas ça met pause play pause play. Donc du coup aujourd'hui ça va être un contour de mon appartement sublime. Donc ça fait 1 an que j'ai déménagé. Pourquoi j'ai déménagé? Tout simplement parce qu'en fait je voulais déménager dans une grande ville. En général tous mes partenariats se situaient à Bruxelles, puis après je sortais tout le temps sur Bruxelles. Ma majorité de mes amis habitent à Bruxelles. Professionnellement parlant et même personnellement parlant, c'était mieux que j'aille habiter à Bruxelles. Je suis super contente d'habiter ici et du coup je vais vous faire un petit room tour de mon appartement. Voilà. À tout de suite. Donc du coup là on rentre chez moi. Du coup voilà. Putain, je pensais que je filmais, j'ai dû recommencer. Wesh. Je recommence. Donc voilà, nous arrivons à l'entrée. Donc du coup je monte les escaliers. Voilà. J'ouvre la porte. Là c'est un petit cagibi. Voilà où on met toutes les vestes. Et là donc là c'est moi. Et une petite toilette, voilà. Donc rien de ouf, c'est juste une toilette et un cagibi pour mettre toutes les vestes et les chaussures. Voilà, donc voilà, après on arrive dans le grand salon où on peut accueillir facilement 5 personnes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on peut se mettre aussi ici si vous avez envie, ça dépend si c'est une brindille qui s'assoit. Donc c'est un appartement qui est très très lumineux, donc il y a des grandes fenêtres partout et ça dans tout l'appartement. Je sais pas si vous voyez bien que la mise est au point, mais j'espère que oui. Donc ça c'est le salon qui est ainsi. On va faire le tour. La petite table. Voilà, ça c'est le salon, la télé. Donc moi, ce que j'ai bien aimé dans l'appartement. Oh! Ma télécommande. Attendez, j'ai un petit souci de technique. Ça fait chier, quoi. Elle est tout au fond, là-bas, au fond. Je sais même pas la prendre, quoi. Elle est tout au fond. Je devrais la prendre par là. Ah, voilà, je l'ai. Ce que j'ai bien aimé dans l'appartement, c'est que l'escalier, en fait, il est vraiment totalement au milieu du salon et de la salle à manger. Et du coup, en fait, en plus, c'est en fer forgé. Regardez. Voyez? Et du coup, ce que j'ai aimé aussi, c'est le plafond. On dirait qu'il n'est pas fini, mais je vous assure qu'il est fini. C'est le style de l'appartement, donc c'est industrie. Donc du coup, voilà. Faites pas attention à ces caisses-là, je vais les mettre à la cave. C'est tout ce qu'on n'utilise pas finalement. Donc, du coup, voilà, vu que j'ai reçu ma machine récemment. Du coup, on a en profité pour faire les tri. Et voilà, donc là, après, on arrive, il y a un petit miroir ici, donc c'est là où je fais mes photos, vous avez pu le remarquer certainement sur Instagram. Du coup, là, nous avons les étagères, voilà, comme ça vous voyez. Voilà, les étagères. Par contre, les mises au point, c'est vraiment chiant. Et ce qui est bien, c'est que regardez. Ah merde, c'est pas cette lumière-là. C'est celle-là. Donc si j'ai envie le soir d'avoir une ambiance un peu pupute, j'appuie sur l'interrupteur qui est directement connecté à mon LED. Ensuite, je vais vous présenter mes gerbilles que je ne vous ai pas encore présentées, sauf sur Instagram. Donc du coup, j'ai craqué, j'ai acheté 2 gerbilles. C'est mes petits bébés. Venez dire bonjour. Allez. Donc là, c'est Noisette. Noisette. Et là, c'est Pistache qui essaye de casser son. En fait, elle ronge sa maisonnette. Elle essaye de. Regardez. Ah voilà. Ah, coucou. Coucou. Coucou toi. Donc voilà, enfin c'est inintéressant, mais bon, je préférais vous le dire parce que je suis sous le charme de mes bébés. Nous avons la cuisine. Donc la cuisine qui est super magnifique, franchement, j'adore faire à manger parce que c'était trop beau. C'est marrant, vous allez rire, mais plus la cuisine est belle, plus j'ai envie de faire à manger. Je sais pas pourquoi. Je me sens, je sais pas, à l'aise à faire à manger. J'adore faire à manger, hein, ça c'est pas un secret. Mais du coup, voilà. Donc c'est tout blanc, donc c'est de la pierre. Par contre, ça c'est vraiment chiant parce qu'en fait c'est un blanc qui est mat, ça prend hyper vite les marques de gras ou des doigts, etc. Donc faut toujours nettoyer. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est on peut monter les escaliers. Donc là, on monte dans les chambres. Donc on est 3 ici, il y a 3 chambres.
trois colocataires, on est trois amis, dont David que je connais depuis des années, donc du coup voilà. Donc voici ma chambre, donc moi j'ai une terrasse. Donc vous allez me dire, ah il est où ton lit, nanani nana. Donc du coup il y a ma coiffeuse, ma garde-robe, Marine Light, tout mon maquillage qu'il y a dedans, mes sacs, donc il y a mes sacs aussi, il y a une partie de mes sacs qui sont en bas. Moi j'ai une terrasse, une très grande terrasse. Donc, par contre là la vue elle est trop trop belle, regardez ça. Voilà. On a donc du coup installé un petit endroit pour se relaxer quand il fait beau. Un miroir et en fait mon lit est au dessus. Mais regardez, donc mon lit est juste là comme ça. Voilà, donc avec ma petite télé, etc. Franchement au dessus je suis vraiment bien hein. Je vous assure, je suis vraiment bien. Et du coup, j'ai installé des LED derrière mon lit où il y a le petit creux là. Franchement, niveau place, c'est vachement plus simple parce qu'en fait, ben, on a tout l'espace en dessous, on peut faire ce qu'on veut. Et du coup, ben, au-dessus, c'est vraiment la chambre. Et du coup, voilà. C'est le même système pour la chambre de ma coloc. Donc, du coup, bon, je vais pas vous montrer la chambre vite. Enfin, je vais faire vite fait parce que c'est personnel, ça se fait pas. Donc, du coup, voilà, elle adore les mangas. Voilà, coucou. Et du coup, c'est le même système. Donc, elle, c'est la plus petite chambre. Moi, j'ai la plus grande. Parce que, voilà, en tant qu'influenceuse qui se respecte, il me faut une grande chambre. Du coup, voilà. Donc, si. Donc, ensuite, là, on a nos toilettes. Donc, une deuxième toilette. Voilà. Donc, voilà, voilà une toilette. Donc, c'est une toilette, on s'assoit dessus et on fait nos besoins. Voilà, rien de spécial. Ensuite, ça c'est la chambre à David. Très, très instagrammable aussi. Bah, David et moi, on a plus ou moins le même style de décoration. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'entend super bien aussi niveau décoration. Bah, on a envie de faire des photos partout. Donc voilà, on part de la chambre à David. Et du coup, là, nous arrivons dans la salle de bain. Nous arrivons sur une douche, donc il n'y a pas de porte. Donc vous allez me dire, oui, mais l'eau, ça va couler. Non, en fait, c'est fait exprès. C'est pas tout droit comme ça, c'est un peu penché. Donc du coup, l'eau coule directement dans le grand trou qui est ici. Et bon, après, c'est vrai que des fois, il y en a un peu par là, mais on essuie tout le temps, quoi. Il faut entretenir un appartement, ça se nettoie. Bon, du coup, voilà. Donc là, on met les essuies, donc c'est un truc échauffant. Et puis là, on arrive, donc derrière, il y a notre baignoire. Donc là, si on met les vêtements quand ils sont mouillés. La machine que j'ai reçue il y a quelques jours. Et là, c'est du coup, c'est notre double vasque. Voilà, une double vasque. Avec un très très grand miroir. Et là aussi, ce qui est bien. Donc, voilà, il y a un LED derrière, mais franchement, c'est beaucoup mieux le soir. Donc voilà, on a fait le tour de mon appartement. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc du coup, je vous ai montré l'appartement. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous montrer mon appartement. Donc là, je dois me dépêcher parce que j'ai un partenariat. Donc du coup, go la ville et après, je me casse sur Liège. Donc du coup, oui, je pars sur Liège tout simplement parce que je vais voir ma maman. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus vue. N'hésitez pas à me mettre en commentaire donc, ce que vous voulez voir comme contenu. Donc les amis, bah, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Que tout se passe bien pour vous. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Bye.